de vivre aujourd'hui avec mes collègues et avec tous les enfants de l'école Barclay et avec nos partenaires et les parents qui sont présents, un grand événement. C'est la remise de la lecture en cadeau, la remise de la 16e édition de la lecture en cadeau, au cours de laquelle nous allons distribuer partout à travers le Québec 40 022 livres. Mais surtout, c'est la remise du 400 millième livre de la lecture en cadeau. La lecture en cadeau, en 16 ans, aura remis 400 000 livres à 400 000 enfants de toutes les régions du Québec. Et pour nous, c'est un grand moment. Alors aujourd'hui, nous allons remettre ce livre. Mohamed, tu remets le 400 millième livre de la Fondation à Mohamed. Es-tu content? Aujourd'hui, l'activité était vraiment touchante. On se sent très utile quand on remet les livres aux enfants parce qu'on voit directement l'impact que ça a sur eux. D'abord, ça égaye leur journée parce qu'un cadeau, quand on est enfant, on aime toujours s'en recevoir. Mais aussi parce qu'on sent qu'ils comprennent que c'est un cadeau précieux qu'ils ont reçu, qui vient d'un inconnu. C'est juste un geste gratuit de quelqu'un qui dit « Tiens, voilà un livre », en espérant que tu l'aimes, en espérant que tu découvres la lecture et que tu t'en serves plus tard. Nous souhaitons, par ce programme, contribuer à la lutte à l'analphabétisme et enrayer le décrochage scolaire, ou alors, si vous préférez, encourager la réussite scolaire, la persévérance des enfants. Nous croyons que la lecture est au centre de tous les apprentissages et que l'amour de la lecture est un amour qu'on développe pour toute la vie. Moi, j'aime un livre qui s'appelle « Madame Wenham ». C'est un livre de Patrick Sénécal. C'est un livre d'horreur et j'aime beaucoup ce livre. Ça m'intéresse beaucoup, ça me fait peur et puis j'aime ça. J'ai lu Tintin et je n'ai jamais lu des Tintins. T'as jamais lu Tintin? Mais ouais, c'est bon de lire. C'est bon de lire. Pour développer son imagination. Ouais. C'est aussi important de lire que de jouer dehors? Ouais. Ouais. Alors, on passe autant d'heures à lire qu'on joue dehors, c'est bon ça? Oui. Peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, peu importe l'adulte que vous rêvez d'être, les livres seront toujours là pour vous aider à devenir ce que vous voulez devenir. Alors, je vous souhaite de devenir les adultes que vous rêvez d'être et d'avoir toujours dans votre poche en arrière, si vos pantalons sont assez grands, un petit livre au cas où vous vous ennuyez dans l'après-midi. Il n'y a rien de mieux qu'un livre.